Mon frère, photos de gens qui vont échouer dans leur mission, quand tu vois, tu sais. Et quand tu regardes cette photo, il y a tous les signes de l'échec. Vous êtes pathétiques. Ils sont pathétiques. À l'échelle de mon pays, ils sont tellement pathétiques, les enfants. Photos de gens qui vont échouer dans leur mission. Quand tu vois, tu sais. Même sur cette photo, tu vois d'abord la première chose, d'abord, c'est l'échec. C'est l'échec. Même la photo est sale. Même la photo est sale. La photo est à l'image de ce qui s'est passé à l'intérieur. Une moquerie envers l'amour que nous avons pour notre équipe nationale du Cameroun. Photo des gens qui vont échouer dans leur mission, quand tu vois, tu sais. Le mépris du peuple, quand tu regardes aussi cette photo, tu vois très bien des gens qui sont bouffés par leur propre ego. Il n'y a aucune cohésion. Il y a rien du tout. Le Cameroun n'en ressort grandi en rien du tout. Photo des gens qui représentent le mépris, quand tu vois, tu sais. Photo des gens qui représentent le mépris, frérot. Quand tu vois, tu sais. Des gens qui n'ont pas le contrôle de leur vie. Des gens qui ont donné la honte au chien. Photo des gens qui ont donné la honte au chien. Quand tu vois aussi, tu sais. Comment on fait son lit. Comment on se couche. Est-ce que cette photo ressemble au succès? Est-ce que quand vous regardez vous-même cette photo, vous êtes fier en tant que Camerounais? Photo qui ressemble à une insulte pour ton pays et pour ton honneur. Quand tu vois, tu sais. Photo qui représente une insulte pour ton pays et pour ton honneur. Quand tu vois, tu sais. Photo des gens sans dignité et sans amour dans le cœur. Sans dignité et sans amour dans le cœur. Photo de mégalomanes. Quand tu vois des mecs qui sont super mégalomanes, c'est-à-dire que le pays n'existe plus pour eux. Tout ce qui les anime en ce moment, c'est leurs égos. Photos de ces gens-là, quand tu vois, tu sais. Et là, tu peux te rendre compte que ils ont peut-être de l'amour, mais c'est de l'amour pour eux-mêmes. Ils ont peut-être de l'amour, mais c'est de l'amour pour eux-mêmes. Et vous, vous les aimez. Voyez ce que je veux dire? Ils ont de l'amour pour eux-mêmes. Et ceux qui sont censés être leurs suiveurs les aiment aussi. Aucun d'eux ne ressentira sur son corps l'humiliation à l'échelle d'un pays. Aucun d'eux ne ressentira sur son corps l'humiliation à l'échelle d'un pays. Oh, les enfants, en 30 minutes, qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire à l'intérieur de cette réunion, Marc Brice, d'après vous? Ce n'était que de l'enfumage. On dirait des gens qui sont en train de jouer à qui pisse plus loin que qui. Des petits bagarres, des petits caïds à la cour de récréation. On dirait des petites bagarres d'ego, des petits caïds dans la cour de récréation. Ils n'ont même pas le respect pour leur propre personne. Je vous ai dit que la seule personne qui est au milieu là et qui regarde tout ça en rigolant dans son cœur, il va parler avec ses enfants en rigolant au téléphone. C'est Marc Brice. C'est Marc Brice. C'est-à-dire que le seul Mola qui a une histoire à raconter aux gens en rigolant que j'étais au Cameroun, c'est-à-dire que les gars là m'ont montré quelque chose. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est un pays terrible. Je me suis retrouvé avec deux staffs. C'est-à-dire que j'étais là un entraîneur, deux staffs. C'est-à-dire que tu avais le staff de la FECAFOOT. Vous devez raconter à ces enfants, non? D'un côté, tu avais le staff de la FECAFOOT. De l'autre côté, tu avais le staff du MINSEF. Imagine alors, frérot, on s'est retrouvé à la réunion à la FECAFOOT. J'étais assis, j'étais devant. Il y avait le secrétaire général de la FECAFOOT. De l'autre côté, il y avait le secrétaire général du ministère des Sports. C'est-à-dire qu'ils étaient là et moi, j'étais au milieu et tout. Derrière, il y avait mes deux staffs ou machin, tout ça. Un truc comique. Un truc comique. Un truc fondamentalement comique. L'attitude qu'il aura, Marc Brice, ne sera que la conséquence de ces attitudes que vous voyez. S'il parle aux Camerounais avec condescendance, ce sera parce qu'on aura démontré par nos attitudes que le Cameroun n'a pas une grande valeur pour nous. Donc, il n'est pas là qu'il défend un pays. Non.
Il n'est plus là qui défend un pays parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à démontrer l'amour profond que nous avons pour l'intérêt supérieur, de notre pays. Nous n'arrivons pas à démontrer pour que lui-même il comprenne que la chose qu'il vient toucher là, c'est une chose importante. Il découvre un endroit où les hommes sont plus grands que le pays. Photo des gens qui vont rouler tout un pays dans la boue, quand tu vois, tu sais, frère. Photo des gens qui vont rouler tout un pays dans la boue, quand tu vois, tu sais. Tu n'as pas besoin, c'est dans l'intention, la présentation. C'est la faiblesse. Même la photo sent la faiblesse. C'est la faiblesse, c'est l'incompétence, c'est l'égocentrisme. Ces choses qui ne grandissent pas les hommes et qui ne grandissent pas un pays, ça c'est des petits hommes, des petits personnages. Photos de petits personnages qui détiennent le destin d'un pays entre leurs mains. Quand tu vois, tu sais. Photos de petits personnages qui détiennent entre leurs mains la clé d'un grand pays. Quand tu vois, tu sais. Tu sens, ils sont tous petits. Là, tu respectes quoi là? Qu'est-ce qu'il y a à respecter? Regarde le mec du MINSEP. Il est ridicule. Regarde les autres bonhommes de la FECA Foot. Ils sont ridicules. Ils ridiculisent le pays. C'est-à-dire quand vous entendez que photo des gens qui sont en train de salir l'image du pays, quand tu vois frérot, tu sais. Photo des gens qui sont en train de salir l'image du pays, quand tu vois, tu sais frérot. Tu sais. Aucune grandeur de nos lions indomptables, notre pays. Seigneur Dieu, regardez à quoi on est réduit. On dirait un truc bizarre. On dirait un truc bizarre parce qu'il n'y a plus de quintessence. Photo d'un pays qui fait de la navigation à vue. Photo d'un pays qui fait la navigation à vue. Quand tu vois avec tes yeux, tu sais. Photo d'un pays qui fait la navigation, qui n'a pas un projet. Photo d'un pays, des gens qui n'ont pas d'amour pour ce pays dans le cœur. Quand tu vois, tu sais. Photo d'un pays où les gens sont au-dessus de leur pays. Quand tu vois, tu sais. Photo d'un pays où les gens aiment les gens plus que leur pays. Quand tu vois, tu sais, non, frérot. Est-ce qu'on te bouscule avec quoi? Quand tu vois, tu sais. C'est dommage. Love you, guy. C'était papa.